Fort Sinal, la quatrième, aux alentours de 18h15. La première course est une épreuve réservée aux apprentis et la jockey, une course dans laquelle les parieurs ont installé en show favori un gars du large, un cheval de qualité qui a eu pas mal de problèmes de santé dans sa carrière, mais qui semble retrouver un bon niveau, en atteste sa dernière victoire sur l'hippodrome de Laval, qui a été assez convaincante. Un gars du large qui est associé aujourd'hui à Alexis Colette, et c'est certainement là l'une des clés de la course. C'est un cheval qui peut être parfois un peu susceptible. Il faudra que tout se passe bien, il faudra que son apprenti s'en serve bien, et si c'est le cas, il peut bien sûr profiter de cet engagement assez favorable au premier échelon pour doubler la mise après sa brillante victoire acquise à Laval. Alors face à un gars du large, vous avez découvert le nom des différents participants. Le deuxième favori de la course, c'est Satin d'Avril. C'est un cheval là encore de classe qui a eu des petits problèmes, qui n'a pas couru autre montée cette année, mais qui revient dans cette discipline, on l'imagine, avec des prétentions. Et puis un peu d'argent sur ce numéro 3, Talusca du Levant, que l'on va retrouver en action. Talusca du Levant qui vient de gagner sur l'hippodrome de Vincennes. On va revoir ça ensemble. Allez, Talusca du Levant, ici fléché. On ne tient pas compte de Strupix puisque ce dernier a été déclaré forfait aujourd'hui. Talusca du Levant qui va gagner cette épreuve avec une belle autorité. C'est Samy Jardin, jeune apprenti qui lui était associé, qui va d'ailleurs retrouver aujourd'hui cette jument entraînée par Daniel Bétoire. Quoique la jument se détache bien pour finir et gagne avec une réelle autorité. Alors il n'y avait pas un gars du large, il n'y avait pas non plus Satin d'Avril dans cette course. Le lot était sûrement un petit peu moins relevé, mais la jument a prouvé en tout cas, Fred, qu'elle était en forme. Oui, effectivement, elle a bien encaissé cette course, m'a dit Daniel Bétoire. La jument, c'est une jument assez costaud qui encaisse bien les courses, qui a beaucoup de dureté. Donc la jument est restée bien souple, a bien encaissé la course. Il n'y a pas de souci, elle est restée en aussi bonne forme. Maintenant, comme vous le disiez, Anthony, Daniel Bétoire pense également que le lot est un peu supérieur aujourd'hui. Donc ça ne sera pas une partie de plaisir comme ce fut le cas l'autre jour. Mais néanmoins, elle est capable de prendre une elle belle va place. Faire sa course quoi. Voilà, et si elle fait sa course, on ne sait jamais hein, parce qu'on peut avoir des chevaux fautifs parmi les favoris, donc bien sûr c'est une belle possibilité. Avant le coup, on a l'impression qu'elle est un peu barrée peut-être par un gars du large, par Saint-Avril pour gagner, mais les deux favoris ont également connu des petits déboires dans leur carrière et font parfois des fautes, donc méfiance tout de même. On va suivre bien sûr les canters. On est à 7 minutes du départ, on a un petit peu de temps. Vous voyez que les conditions météo sont parfaites. Il fait beau, il fait bon. La piste, j'imagine, est en très bon état comme d'habitude ici à Vincennes. Et ça va être assez sympa de suivre cette réunion en semi-nocturne. 16h40 donc pour ce premier rendez-vous. Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h15 pour la 8e et dernière ici sur l'hippodrome de Vincennes. Des infos concernant le numéro 11, Satin d'Avril. Guillaume Lisée me disait que son cheval revenait en bonne forme. Peut-être pas encore à son meilleur niveau, pas encore à 100%, mais ça ne saurait tarder. Le cheval revient bien. Maintenant, il a peur que ça ne soit pas vraiment le vrai cheval d'apprenti. Hein. C'est vrai qu'il reste toujours un petit peu délicat, Satin d'Avril. Sachez que lui, t'étais bon quand même, donc attention à lui. Hein. En tout cas, on espère quand même une bonne course. Hein. Okay, le cheval revient en tout cas en bonne forme. On l'a à l'image, Fred. On va pouvoir suivre son canter. Puis derrière, il y a le favori. En fait, on a les deux favoris là. À l'image, Satin d'Avril, un gars du large. J'ai envie de dire, Fred, avant coup, ces deux-là ne sont pas des chevaux forcément d'apprentis, mais ils peuvent bien sûr être premier et deuxième dans cette course. Sans doute les deux meilleurs en classe pure, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas des chevaux très très simples. Satin d'Avril au premier plan qui semble en bon état. Il a sur son dos un jeune homme doué, hein, Aurélien Desmar, qui s'est fait remarquer depuis ses débuts en tant que jockey. L'un des bons apprentis du moment. Ce sera un atout. Alors il rend la distance, mais on est vraiment sur une distance exigeante, hein. 2850 mètres, 2875 mètres. Et je dirais que c'est un parcours où la sélection est faite assez tôt et du coup les bons chevaux peuvent s'exprimer. Donc c'est vrai que c'est pas évident de rendre 25 mètres, mais si Satin d'Avril a retrouvé ses jambes de l'an passé, il va certainement être menaçant parce que c'est un cheval de classe. Alors un gars du large ici a fait un canter correct sans qu'on le pousse vraiment. C'est Alexis Colette donc qui est sur son dos. Un jeune homme qui travaille pour Joël Allais, hein, qui est un vrai formateur de jockey, Joël Allais. Et j'imagine que pour Alexis Colette, c'est une chance que d'évoluer à côté de cet entraîneur qui, on l'imagine, lui donne de précieux conseils. Alexis Colette qui est un jeune homme assez grand, assez longiligne, qui sert bien les chevaux que lui confie son patron Joël Allais. On
l'a vu régulièrement à l'honneur avec la Kazakh Maison. Allez, Satin d'Avril accélère un peu, ça se passe bien pour Satin d'Avril, pas de souci. Le cheval est en bel état, il est cadencé au canter. Cheval de classe hein, qui a couru dans des lots très relevés. Il a plus de 300 000 euros de gain. C'est pas n'importe quoi, on est déjà à un niveau plus que correct. Voici Rasta Beach, le numéro 10, qui lui a besoin de nous rassurer hein, parce qu'il a un petit peu de mal à refaire l'arrivée ces derniers temps. Bon, c'est vrai qu'il est toujours confronté à des tâches délicates. Aujourd'hui, le lot dans son ensemble est moins relevé que ce qu'il a affronté lors de ses dernières courses, mais il rend 25 mètres. Et il a besoin un petit peu de nous rassurer. Ouais, d'autres infos, Anthony. En ce qui concerne le numéro 10, Rasta Beach, on a du mal à le retrouver. Le cheval semble revenir un petit peu, pas mal, m'a dit Franck Arel, mais maintenant il a besoin de recourir. Hein, il a eu pas mal d'ennuis de santé. Au 25 mètres, avant le coup, c'est pas simple. En ce qui concerne une des rochers, jument très intermittente qui est capable du meilleur comme du pire, me disait Hervé Gilles. Donc il m'a dit, je sais jamais trop sur quel pied danse avec elle. Un coup, elle court très très bien alors qu'on l'attend pas, et inversement. Donc il a du mal à se prononcer. Néanmoins, la jument paraît bien, hein, ce numéro 8. Au niveau de l'entraînement le matin, ça passe bien, mais très difficile à cerner. Par contre, on est assez confiant avec Sébastien Hervalet, hein, qui présente tenue d'artiste le numéro 9. La jument, pas tenir compte vraiment de sa dernière tentative. Il a été déçu l'autre jour à Cabourg. Il me disait que c'était pas la piste à Cabourg, d'autant que la jument n'était pas très très bien partie. Dans ce cas, on sait qu'à Cabourg, c'est difficile de revenir quand on démarre pas très bien. Elle sera certainement plus à l'aise sur la grande piste. Ici, l'engagement est très très bon et la jument est en très très belle forme. Le hit était bon. Donc, on attend quand même une bien meilleure performance aujourd'hui que par rapport à sa course de Cabourg l'autre jour. Ok, tenue d'artiste, hein, on le rappelle, c'est le numéro 9 dans cette course. Elle est proposée à 13 euros. Et donc, l'entourage est assez confiant. Une des rochers s'échauffe. C'est vrai qu'elle est un peu bizarre parfois, cette jument. Elle fait parfois de belles choses et puis de temps en temps, elle rate complètement sa course. Jument assez froide en général dans un parcours. On va voir comment elle se comporte aujourd'hui sur la grande piste et sur cette très longue distance, enfin très longue, cette longue distance en tout cas des 2850 mètres. Top du Chêne s'échauffe à son tour. Top du Chêne, deuxième de Talusca du Levant en dernier lieu. Alors on l'a dit, le lot était sûrement un peu moins relevé que celui du jour. Mais Top du Chêne, ce jour-là, a montré qu'il était en bonne forme. Et on est bien sûr dans ce genre de course, pas à l'abri de défaillance, même en ce qui concerne les favoris, même si avant le coup il semble assez solide. Twister de Liton est très joué, enfin, c'est l'un des chevaux dont la cote est vraiment une cote de méfiance, hein, 8,90€ pour ce cheval qui vient de trotter 15 à Cabourg, derrière Corum Quick et Tyson Dewell, hein, qui sont des chevaux de valeur. Et lui était troisième. Auparavant, il avait gagné à Cabourg. Il va tenter sa chance aujourd'hui sur la grande piste de Vincennes, avec sur son dos une jeune femme de talent, Marion Lemonnier. Alors, il a beaucoup couru corde à droite hein, ces derniers temps, et d'ailleurs l'ensemble de ses victoires ont été obtenues corde à droite. L'histoire de Liton, il a gagné 8 courses dans sa vie et toutes corde à droite. Alors est-ce qu'il y a une préférence pour cette corde? On peut le penser. Maintenant, sa cote est une cote assez basse, de méfiance. Ça se passe plutôt pas mal pour tenue d'artiste là, au niveau de son canter. Et puis dans son dos, il y a un cheval qui vient de mieux courir que n'indique son classement dans ce qui est un peu l'une des courses références, c'est Ton Écart. Il était sixième ce jour-là, mais il a toujours suivi avec des ressources. Et je me souviens que Richard Joly m'avait dit qu'il était content de cette course. Oui, c'est vrai qu'il avait conclu correctement. Bien battu, mais c'était pas si mal. Il peut se rapprocher certainement hein, de Talusca du Levant et de Top du Chêne. Même si on l'a dit déjà et on le rappelle, les deux chevaux qui étaient aux deux premières places ce jour-là sont peut-être moins doués, et c'est même sûr, en valeur pure qu'un gars du large, que Satin d'Avril. Maintenant, une course reste une course. Il va falloir que... Et puis les courses d'apprenti et la jockey, souvent ça change pas mal la donne par rapport aux courses de pro. Il va falloir que les favoris soient bien appliqués, restent au trot, fassent leur course. Mais en valeur, c'est vrai que ce sont des chevaux de talent. Alors la cote qui baisse beaucoup avant le départ, c'est celle de Talusca du Levant. Elle était jouée et elle l'est encore plus. C'est peut-être un peu la valeur refuge en fait dans cette course. On se dit qu'elle va faire sa course quoi qu'il arrive, qu'elle connaît bien son apprenti et vice versa, surtout son apprenti la connaît bien. Elle a gagné sur la grande piste, donc on se dit certainement que c'est peut-être le coup sûr à l'arrivée. Si elle répète sa course de l'autre jour, hein, regardez, elle trottait quand même 14 effractions, même faudra quand même un bon Satin d'Avril pour lui rendre 25 mètres. Si elle répète ce chrono-là, même si là on est sur 2008.
commence à se rassembler. On va bientôt pouvoir donner le départ de cette course. Avec en position de favori, toujours un gars du large. Cheval entraîné par Joël Allais. Et un cheval qui porte les couleurs de l'écurie Palmyre Racing. Derrière laquelle se cache notamment Guillaume Macaire, le grand professionnel d'obstacle. Allez, départ imminent. Un gars du large en dehors au premier échelon. C'est parti pour notre première course, une course réservée aux apprentis et la jockey, 2850 mètres à parcourir. Un gars du large, le favori, a pris un bon départ à l'extérieur. On est parti un peu plus vite que lui au centre avec le 7 Sophora du Reed. Bon départ aussi pour Tenue d'artiste. Twister de Liton fait partie du groupe de tête, tout comme Ton Écart qui est là côté corde. Talusca du Levant est pour l'instant en 5e position devant Cortop du Chêne. Voilà quelques chevaux qui se détachent un petit peu alors qu'on se dirige vers le premier tournant à l'arrière. Rasta Beach a pris un très mauvais départ. Une des rochers est un petit peu sollicité. Satin d'Avril, le cheval le plus en vue du deuxième poteau, est bien parti puisqu'il est finalement celui qui a été le plus rapide aux 25 mètres. Il est juste derrière les chevaux qui partaient au premier échelon. Direction la ligne droite des tribunes. Sophora Durid qui a l'avantage avec à son extérieur Tenue d'artiste. Dans leur sillage à la corde, l'As Ton Écart et en deuxième épaisseur le 6 Inga du large. Troisième ligne formée par le 2 Twister de Liton, côté duquel trotte le 3 Talusca du Levant. Le 4 Top du Chêne est pour l'instant à l'arrière en compagnie de Satin d'Avril. Sylvie de Bétan, le 12 venant ensuite, alors que Une des Rochers est très sollicitée. Elle se montre froide aujourd'hui et a un petit peu de mal à suivre le peloton. On a disqualifié en début de course le 10 Rasta Beach. La descente, avec toujours les mêmes devant. Sophora Durid, le 7, Tenue d'artiste, le numéro 9. Dans leur dos, le 6, Singa du Large, avec à la corde l'As Ton Écart. Talusca du Levant, le 3 vient ensuite avec le 2 Twister de Liton. Le 4 Top du Chêne est à l'arrière devant le 12 Sylvie de Bétan et le 11 Satin d'Avril. On est en pleine descente. Sophora Durid toujours à sa main devant Tenue d'artiste, un gars du large, 3e devant Ton Écart. Talusca du Levant, Twister de Liton, Top du Chêne, Sylvie de Bétan et Satin d'Avril. Direction la plaine et l'allure a été un petit peu réduite, semble-t-il, en tête de course. Les apprentis sont deux par deux, personne n'attaque pour le moment. Sophora Durid toujours aux commandes, 1-16-1 au poteau des 1500 derniers mètres. C'est dire qu'on peut aller bien sûr beaucoup plus vite. Sophora Durid qui mène toujours à sa main, pas attaqué pour le moment, même si on sent qu'Alexis Colette est en train de presque d'envisager de sortir avec un gars du large qui est pour l'instant derrière Tenue d'artiste qui finalement l'emmène assez bien et du coup ça ne bouge toujours pas à l'avant du peloton. Tenue d'artiste qui revient sur Sophora Durid alors qu'on va aborder bientôt le poteau du dernier kilomètre. Ton Écart est toujours là tout près côté corde avec à son extérieur le favori un gars du large qui est toujours en bonne position. Talusca du Levant vient ensuite avec Twister de Liton. Satin d'Avril n'a pas quitté l'arrière-garde, il est toujours parmi les derniers. Allez, l'attaque du favori, un gars du large qui est passé en troisième épaisseur et qui va accélérer, qui vient rejoindre en tête de course Tenue d'artiste qui ne peut pas le contrer. À la corde, Sophora Durid résiste un petit peu, mais un gars du large semble venir assez librement. L'intersection des pistes, un gars du large qui vient aux côtés de Sophora Durid. En troisième position, il y a Twister de Liton. Tenue d'artiste est là, un petit peu sollicité devant Ton Écart. Talusca du Levant qui a du mal à accrocher les bons wagons. On est dans le tournant final. Sophora Durid qui tient tête pour l'instant à un gars du large qui vient lui prendre l'avantage à cet instant, semble-t-il. Un gars du large qui prend le meilleur. Une longueur d'avance quasiment désormais sur Sophora Durid qui se défend bien. En troisième position à distance, Satin d'Avril est en train de refaire beaucoup de terrain. Il est aux côtés de Tenue d'artiste et de Twister de Liton. La ligne droite finale, il ne faut plus bouger pour un gars du large qui a fait le plus dur, qui a l'avantage sur Sophora Durid avec en troisième position Satin d'Avril qui va finir fort. Un gars du large qui a toujours le meilleur à 200 mètres du poteau. Sophora Durid est deuxième. Oh, Satin d'Avril est au galop et perd la troisième place. Un gars du large, Alexis Colette s'impose. Le numéro 6 qui gagne cette course. La deuxième place pour le 7, Sophora Durid. La troisième pour le 12, Sylvie de Bétan, et la quatrième pour le 9, Tenue d'artiste. 6, 7, 12 et 9. 6, 7, 12 et 9 pour l'arrivée de cette première épreuve. Le prix André Rouer et la victoire du favori Inga du Large qui s'est imposé assez facilement, même très facilement, avec Alexis Colette sur son dos. C'était le favori de cette première épreuve. La deuxième place pour Sophora Durid, l'animatrice, qui a très bien tenu sa partie d'un bout à l'autre. La troisième place pour Sylvie de Bétan après la faute de Satin d'Avril. Et puis la quatrième place pour Tenue d'artiste qui a profité de son bel engagement à la limite du recul pour prendre un beau chèque. Ouais, Talusca du Levant ne peut faire mieux que cinquième. Elle a fait ce qu'elle a pu, mais c'était dur aujourd'hui face à des chevaux de valeur comme un gars du large qui est un cheval certainement en retard de gain, 6 ans qui courait face à ses aînés aujourd'hui. Il offre une première victoire à Vincennes, me semble-t-il, à Alexis Colette qui est un jeune